Ladies and gentlemen, welcome today to the Bass Naval in Douala, Miss Supranational, the Sam Ndango show, reality show. It's all about fun. And today it's all about recreation. It's all about nature, the sky, the sea. I'm in a boat right now presenting to you our ladies. Supranational Cameroon reality show. Where are we right now? Crystal nightclub. What are we doing here? Presenting the ladies and showing them how to behave in a corporate environment. As you can see, people are going by because we are in a nightclub and the scenery is going on. People are enjoying themselves. I'm gonna be real on us. Nobody got nothing on us. Girls be all on us from London back down to the US. We rocking this contagious. Monkey business outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. FRESH, we fresh. GEF, that's right, we Debra. We definite. BEP, we reppin' it. So turn me up. Johnny Yard, Johnny Yard, come on baby, just pump it. Continue à faire comme ça, chanter, penser de ton histoire et chanter très bien. Merci beaucoup, continue comme ça. Hein? Alors, Eliane, ma réponse, c'était une très belle prestation. Beaucoup de maîtrise, effectivement, de pouvoir chanter, penser et souffler, enfin souffler dans le système, c'est très bien. Get myself somewhere, I'll be able to present, I'll be able to sell myself very well. And
Very soon I'll become a creative presenter and talk of apparel free and talk of apparel free participation. Come to county, tell us show as well. Come to county and present it. Wow! You know, when she said that, I feel a bit of life flow through my body, because that sounds like a game plan. It sounds like a dream. It sounds like inspiration from what I do. You know, ladies and gentlemen, I would love to see other, not just the Supranational show, the Mildred show, the whatever show. You know, ladies and gentlemen, we were born to shine. Ernestine, how are you? I feel good. You feel good? Yes. Fantastic. Now, I want to know, with you, it was quite interesting, you know, you wanted to sing at the beginning, but you ended up doing something different. What made you change your mind? Oui, merci. Déjà, j'aime chanter, c'est depuis l'enfance. Mm. Bon, à la maison, dans les concerts scolaires, je chantais et arrivé ici, déjà, je suis à l'université aussi et je fais gestion. Une filière que j'aime bien à l'école. J'arrive ici, je me présente comme chanteuse. Et lorsque mon coach, qui est descendant d'Ango, il me coach chanter une fois, deux fois, ça lui me dit. You're talking about me as if I was somewhere else. Yeah. You're talking about Supranational as if it's not me. It's me, I'm Supranational. Yes, I know. Yeah, he said your coach will be Supranational. If you say your coach will be Supranational, you're here. Anyways, go on. Là, il me dit, tu vois, tu chantes bien sûr, mais ça vient pas de fort. Là. Mm-hmm. Tu te sens vraiment pas, bien sûr, tu aimes la musique, mais ça ne suffit pas. Il faut plus que ça. C'est où il me dit, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? En dehors de la musique, c'est où je lui dis franchement ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé, c'est la gestion. Et je vois que dans notre contexte du mannequinat et concrètement de la recherche de la musique, franchement la gestion n'a vraiment pas sa place. Ça veut dire maintenant il faut faire ce que tu aimes. C'est que le plus important c'est d'être en confiance, parce que quand tu fais ce que tu aimes, tu te donnes à fond. Lui, j'aimerais dire déjà. En venant ici, je m'attendais plus à un défilé, tout simplement. Je ne savais pas que je devais me retrouver à dire ce que j'aime bien faire. Et je savais que c'était la musique. Déjà dans une compétition comme celle-ci, on demande un peu plus des valeurs plus pratiques. Et je voyais la musique. Mais comme je disais bien avant, grâce à mon coach ici présent, je fais la gestion, ce que j'aime, le management, et je lui dis merci. We love to be here! We love to be here!